salut, c'est moi. Je suis déjà là. Je suis arrivée avec le tram, du coup, je suis du côté de l'entrée Pont d'Arve. Toi, t'es où? Ben moi, j'arrive côté parc. Tu veux dire l'entrée Beau-Bavis? Ouais, voilà. Ok, on se retrouve dans le hall central, alors. Ok, à toutes. Bienvenue à Unimail, le plus grand bâtiment de Suisse dédié aux sciences humaines et symbole de la modernité de l'Université de Genève. Un lieu qui bouge, qui vit, avec en son cœur le plus grand site de la bibliothèque de l'université, dont les étagères regorgent de connaissances sur le droit, l'économie, le management, les sciences de la société, dont la sociologie, la géographie ou la science politique par exemple, la psychologie, les sciences de l'éducation, les relations internationales, ainsi que la traduction et l'interprétation. Si vous étudiez dans un de ces domaines, vous vous sentirez comme chez vous. Quant aux autres, vous êtes aussi les bienvenus. La bibliothèque s'étend sur les deux premiers étages d'Unimail, pour une surface totale de 8000 m². Elle compte une cinquantaine de collaborateurs. Fort accueillant et serviable, soit dit en passant. Oui, ils travaillent d'arrache-pied pour mettre à votre disposition de nombreuses collections régulièrement mises à jour. La bibliothèque est un grand espace, presque intimidant parfois, mais on s'y habitue assez vite. Le mieux pour s'y repérer, c'est de se fier aux couleurs. Parmi nos collections, vous trouverez beaucoup de types de documents différents. Des monographies, des livres, des périodiques, ou revues scientifiques si vous préférez, des livres en séminaire sélectionnés par vos professeurs, des ouvrages de référence, la presse, des DVD, des CD audio, du matériel didactique, des thèses de doctorat, des mémoires, etc., etc. Vous pouvez d'ailleurs faire votre petit marché en toute tranquillité, puisque la majorité de ces documents sont accessibles librement et n'ont pas besoin de passer par un bibliothécaire pour les consulter. Quoi qu'il en soit, si vous cherchez un document, peu importe la thématique, votre meilleur ami, c'est le catalogue en ligne. Une fois que vous avez repéré un livre qui vous paraît intéressant, contrôlez. Premièrement, qu'il est disponible. Si un livre est déjà emprunté ou inaccessible au public, vous aurez la possibilité de le réserver. Son lieu de dépôt, il n'est peut-être pas Unimail mais dans une autre bibliothèque. Et enfin, sa cote. Je pense pas que tout le monde sache ce qu'est une cote. C'est pas faux. Non. Non plus. Oui, voilà. Et plus concrètement, ça ressemble à ça. Pour terminer, n'oublions pas qu'aujourd'hui, une bibliothèque, c'est bien plus que du papier. Depuis notre site web, vous accéderez à une quantité incroyable de ressources électroniques sous la forme d'e-books, de revues, de bases de données ou encore de travaux académiques publiés à l'université. Bref, si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est que la bibliothèque est votre porte d'accès principale à une information de qualité, sélectionnée et mise à disposition par une équipe de professionnels passionnés. C'est aussi un espace dédié au travail, à la collaboration et au développement de soi. Enfin, pas de secret. Le seul moyen de vivre l'expérience Unimail, c'est de s'y rendre. Vous verrez qu'il y fait bon vivre.